Alors si c'est bon pour tout le monde, je vous laisse avec Dany Terreur. Bonsoir. Bonsoir. On va vous jouer À bout de souffle, qui est extrait de Grigri, mon premier EP. Martin l'a très bien dit, c'est un rappel, les gars.
sur sa ordi. J'suis mal sans toi, j'crois que je vais faire des conneries encore. J'ai peur du noir, peur de faire des folies, des fantaisies, des choses qu'on s'interdit. Faut que je me réchauffe quand le ciel s'assombrit. Je sens les ombres qui s'approchent de mon lit. Il faut que je me lève, que je combatte l'insomnie. Le rideau tombe, mon cœur s'agrandit. Voilà, on vient de le découvrir sur scène et on se retrouve en coulisses pour avoir les premières impressions de Dani Terreur. Comment ça s'est passé, le premier ressenti? Alors, franchement, ça s'est bien passé. On a fait deux morceaux, il y avait beaucoup plus de public que la veille. Du coup, tu as plus l'impression de faire un vrai concert, entre guillemets. Tu as moins l'impression d'être dans un concours. Et là, on était vraiment...
je l'ai bien vécu, quoi. Et mes musiciens aussi, enfin, c'était super cool, j'ai l'impression. Alors nous, personnellement, on est content de te retrouver ce soir parce qu'il y a une espèce d'énergie, enfin voilà, vous avez pu voir les images, qui est quand même assez présente, communicative et qui donne bien envie. Et donc du coup, je voulais savoir la différence entre hier où on t'a vu pour les demi-finales et aujourd'hui, puisque on le disait un peu hors antenne, c'est vrai que le principe comme ça d'un schéma de concours, voilà, ça n'a rien à voir avec un concert. Et puis pouvoir se présenter aux gens et rentrer dedans en un seul titre... voilà, ça, comment tu l'appréhendes? Alors en fait, il y a vraiment une différence, en tout cas ça c'est sûr, comme je te disais il y a un instant, là on a fait des balances, déjà ça change. Hier on a fait, alors on est passé à 10h du matin, on a fait un seul morceau, un line check, le jour on branche les instruments, on teste en 5 minutes, après on joue. Du coup c'est un peu folklore on va dire, tu vois, c'est assez compliqué de se faire juger sur un morceau aussi. On a eu la chance d'être en demi-finale, du coup on est passé... À 23h, hier, on était les derniers aussi, et on a, pareil, le line check, en fait, t'es pas dans des conditions forcément optimales. C'est pas du tout une critique par rapport aux équipes techniques, parce qu'ils y peuvent rien, c'est vraiment un exercice extrêmement compliqué, limite, qui frôle l'impossible, tu vois. Et ils y arrivent, donc on les salue, on les remercie, mais c'est vrai que c'est le format de concours qui veut ça, et que c'est... Et la différence avec ce soir, c'est que, bah, déjà, on est beaucoup plus serein, on sait qu'on est en finale, donc après, on sait qu'on va... normalement plus jouer ici, du coup on lâche un peu tout, il y a deux titres, plus de public, on a fait des balances, du coup c'est pas du tout le même délire quoi, tu vois. Alors comment on choisit justement ces titres en fonction de, ben, soit d'hier quand on sait qu'on a qu'un titre à présenter et que peut-être on sera pas là le lendemain, ouais. Et puis aujourd'hui où c'est deux titres, voilà, est-ce qu'on essaie de prendre des choses un peu très différentes pour donner des facettes, voilà, ou pas du tout, enfin, je sais pas. Alors, dans mon cas, ça, je me suis pas vraiment pris la tête. J'ai pris j'ai deux singles sur mon premier EP. Je me suis dit, je vais jouer les deux, enfin, le premier jour. Au cas où je suis pris en demi-finale, j'aurai le deuxième. Je savais pas trop quel ordre faire, mais bon, là, je me suis dit, vu que je passais le matin, je vais prendre celui qui est un peu plus posé, tu vois, pour pas brusquer. Et ce soir, on devait jouer donc un des deux titres. Donc, j'ai joué le premier que j'avais joué parce que j'ai senti que le public était plus réceptif, le jury avait l'air plus réceptif. En tout cas, ça, c'est un bon point de vue. Après, c'est parce qu'ils ont bien mangé à midi, on le sait. Aussi, c'est probable. Et ensuite, pour l'autre, alors je me suis dit, je vais mettre une cartouche que j'aime bien et que je considère aussi comme un single. Je me dis, en fait, je vais prendre ce que je considère, en tout cas, comme étant les plus efficaces, tout simplement. Je sais pas, voilà. Et puis, comme c'est la dernière fois qu'on joue, peut-être qu'on se dit qu'on peut se faire aussi un peu plus plaisir. Exact. Bah là, on se fait plaisir. On a fait un peu durer. Il y a eu une partie un peu free à la fin. Voilà, c'était plaisant, quoi. On a un peu lâché les chiens, quoi. Alors, au niveau de la définition de ce que tu proposes pour les gens, voilà, qui ne te connaissent pas encore et qui voudraient savoir. Alors, je sais que les artistes n'aiment pas trop parce que c'est toujours un peu réducteur, mais est-ce qu'on peut nous donner une idée? Alors, c'est vrai que ça peut être réducteur. Moi, j'ai pas trop ce problème. J'ai plutôt du mal à le définir. Enfin, pour moi, c'est très large, en fait. C'est genre ce qu'on pourrait appeler de la pop ou de la variété d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des arrangements électro. Et c'est aussi du rock parce que je suis guitariste et j'adore la guitare, voilà. Et c'est du chant en français, des mélodies en français avec une idée de mélodie un peu anglo-saxonne, parce que je suis un fan des Beatles, de Bowie, du coup ça serait... Et il est en train de me squeezer ma dernière question sur les Stones ou les Beatles, mais c'est pas grave, je ne la poserai pas. Du coup, les Beatles, hein. Sur le festival des Pics d'Or, qu'est-ce qui t'a amené donc à participer à ce festival? Est-ce que tu connaissais déjà? Est-ce que c'était une démarche de ta part? On t'a contacté? Comment ça s'est passé? Disons que j'ai fait un interview avec François Alquier, qui est les Chroniques de Mondor. Il m'en a parlé et j'avoue que je ne connaissais pas. J'ai regardé, j'ai vu que c'était déjà tard, mais en plus j'y allais quand j'étais gosse. Enfin, ma tante avait une maison vers Lourdes, déjà c'était pour un kiff d'y retourner. Et un super théâtre, machin. Et puis les prix sont pas dégueux, le jury n'est pas dégueu non plus. Enfin, ça dépend lesquels. Ouais, je sais pas. Et quand je dis pas dégueu, c'est que c'est très bien en fait. Et du coup, je me suis dit, allez, faut y aller quoi, on y va. Très bien, et bien dans quelques heures maintenant, là, on aura le résultat. Si c'est positif, c'est quoi le programme de la soirée? Bah, on va faire la teuf, quoi, je pense. Même si c'est négatif, hein, voilà, tu sais. Donc dans tous les cas, ça se finira bien. Ouais, voilà. On conclut avec... donc c'est un petit questionnaire rapide, où il faut... c'est des choix, en fait. Donc, d'où la question de tout à l'heure, Beatles ou Stones, mais on a déjà eu la réponse, et c'est dommage parce que c'est à peu près la question la plus intéressante, parce qu'après c'est n'importe quoi. Thé ou café? Un café. Enfin, tu veux que je développe ou pas déjà? Oui, alors Brésil, Colombie? Waouh, bref. Ah non, pour le café, moi je ferais des pays. Hein.
Je sens que ça va être énorme. Français ou anglais? Ah, français, ouais. Anglais pour les mélodies, français pour la poésie, le texte, et vu que c'est la langue natale, moi j'y pense pas en fait, c'est français quoi, tu vois. Londres ou New York? Londres, parce que l'Europe, c'est plus... moi je préfère les vieux pays quoi, que les nouveaux pays. Non, celle-là je la garde pour la fin, ça on a fait. McDo ou KFC? Un McDo au KFC, j'ai dû manger deux fois, et puis bon, le McDo, je suis pas un ouf non plus, mais quand t'as la gueule de bois, ça fait son taf, hein, faut pas se le cacher. Et le meilleur pour la fin, slip ou caleçon? Entre les deux, en fait. String. C'est énorme. Merci beaucoup, bonne chance, et à bientôt. À bientôt, yes.